Salut Chiki, c'est Mouchou, comment allez-vous? Moi je vais bien et aujourd'hui on se retrouve sur The Last of Us. Détendu. Ça va? Allons chercher cette tour radio. Allez, c'est parti. Oh merde! On trouvera peut-être quelque chose dans ce bateau là-bas. Ah mince! Ouvre bien l'œil. Ah, il doute de Attendu, lui. petit. Il doute de nous. Non, enfin bref. Qu'est-ce qu'il disait? Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mais merde! Tout ce que j'avais fait la dernière fois, enfin, tout ce que j'avais fait, c'était pas grand-chose. C'était juste récupérer les objets de présents dans ce bateau. Eh bien, ils ont pas été sauvegardés, puisque je vois qu'il y en a encore à ramasser. Regardez ça. C'est dommage. C'est dommage que la sauvegarde ne s'est pas faite après. Pourtant, j'ai bien sauvegardé juste en suivant après avoir fait tout ça. Ouais, c'est pas tout à fait pareil une fois sur l'eau. Lui, c'est pas qui. Ah oui, on avait même lu le petit message qu'avait laissé le pêcheur disant que. Et j'avais trouvé ça excellent comme idée de partir en mer pour échapper à la fin du monde. Après, ça fait très solitaire, très égoïste. Mais bon, après, si le bateau est à lui, pourquoi pas, hein? Moi, je revendiquerai. Enfin, moi, ça me dérangera absolument pas. Wow, mince, ouh là, non, on va choisir entre un bateau de fer et un bateau de bois. Je peux pas aller par là. Oui, je sais, tu l'avais déjà dit la dernière fois. C'était juste pour me Au rappeler, début, j'ai c'est. cru que t'allais descendre. Ouais, j'ai bien failli. Ils sont cool. Je crois que c'est bien qu'ils soient là. Je crois que t'as raison. J'ai monté un peu le son sur ma télé parce Tout le que. monde avait un bateau avant? Ouais, j'avais un yacht de 20 mètres. Non. C'est pas faux, c'est pas faux. On progresse en termes d'humour, en termes de relations. Et donc on s'en est arrêté Hey là. Ellie, je crois qu'on a trouvé quelque chose. Allons voir ce que c'est. Allez, c'est parti. Et Isildur 4, je te refais un petit clin d'œil. Parie que ça donne sur l'extérieur. Ouais, 2 secondes. J'avais un truc à dire d'abord avant de rentrer dans toutes ces phases de discussion. Isildur 4, un de mes abonnés, m'a prévenu que cet épisode risquait d'être chaud, donc il va falloir que je sois prêt à avoir de l'action. Donc normalement, vous ne devriez pas vous ennuyer. Si c'est pas maintenant, ça sera l'épisode suivant. De toute façon, ça sera cette semaine, donc vous aurez l'occasion de bien pouvoir triper votre épisode. Ah, c'est Henri qui tient le truc, c'est sympa de sa part. Eh, sortez vos lampes. Ça va être long. Donc du coup, on se retrouve dans les égouts. Et JDG, le joueur du grenier, je fais référence au grand youtubeur français. Excellent youtubeur d'ailleurs, j'adore ce qu'il fait. Serait là en train de dire putain, mais c'est quoi ça? Il y a encore une phase d'égout. Enfin, je l'imite très mal, mais bon, j'imagine bien dire ça. C'est vrai que dans les égouts, ah, on se sépare. Ok. Bon, enfin, les égouts, c'est quand même un truc super classique dans les jeux vidéo. Comment? Ouais, bon. Moi non plus, j'aime pas trop. Non, ça va. Aujourd'hui, il fait jour quand j'enregistre, donc ça va. Et donc je disais, les égouts, c'est une phase très classique des jeux vidéo. On les retrouve dans beaucoup de jeux. Et du coup, voilà. Mais bon, après, là, on peut pardonner au jeu, étant donné qu'il y a quand même une grande diversité d'environnement. Ouais, c'était le petit clin d'œil JDG. Je lui fais un clin d'œil parce que j'adore ce youtubeur. Si vous connaissez pas, c'est un youtubeur connu, hein, pourtant. Encore plus connu que moi. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Joueur du grenier. Ah mais il y avait un chemin aussi là-bas. Attends, attends, attends. Moi je veux vérifier tout ce qu'il y a. On part pas sans avoir fait le tour du propriétaire. Hein. Il y a un bruit, je sais pas, c'est un peu inquiétant, je sais pas trop ce que c'est. Allez, vas-y, Joel.
Putain, ça, il doit être mal à l'aise d'être à chaque fois mouillé et tout. Mais là, on peut pas passer par là. Ça, mais non. Bon, on verra plus. Ou peut-être qu'on le fait maintenant. Si tu l'ouvres, je peux me faufiler et dégager la porte. Elle a réagi un peu trop tôt, à mon avis. Je pense que c'était pas très bien coordonné. En plus, les rats, apparemment, c'est des bons animaux de compagnie. C'est ma sœur qui me disait ça. Oui, parce que j'ai une sœur. Et elle me disait que les rats sont de très bons animaux de compagnie, dans le sens où ils sont très, très affectueux et tout. C'est pas du tout méchant. Après, c'est vrai que c'est un peu dégoûtant et tout, étant donné que c'est des bestioles qui traînent dans les égouts, dans les endroits sales et qui sont porteurs de maladies. Mais j'imagine, franchement, qu'un rat domestique, c'est un rat domestique. Hein, c'est comme un chat, si vous l'élevez bien, si vous lui... faites prendre des soins et tout, il va pas être plus porteur de maladie qu'un autre animal de compagnie, hein, voilà. Enfin, c'est un rongeur, quoi, donc ça vit dans une cage, je sais pas comment ça se démerde. Mais bon, voilà, moi ça m'écœure pas, les rats. Et c'était juste pour vous dire que, voilà, les rats sont des très bons animaux de compagnie, pardon. Ouais. Donc, c'était la petite anecdote, et j'ai bien fait de passer par là, on a récupéré 50 pièces de trucs. Alors à chaque fois, il y a toujours la question de se dire est-ce que je vais dans cette direction-là ou dans celle-là, laquelle je fais en premier, est-ce que je fais... Enfin, à chaque fois, c'est l'annexe qu'il faut faire en premier pour pas la laisser derrière et l'oublier, mais bon. C'est vrai que là, ça semblait assez évident que ça, c'était l'annexe et ça, c'était l'aventure principale. Donc on continue vers là. On a récupéré des pièces, à mon avis, il devrait y avoir peut-être un atelier pas très longtemps. On peut sortir par là ? Non, impossible d'atteindre ça. Bah, je sais pas nager. Eh ben, on est deux alors. Oh putain. Les gosses, qu'est-ce qu'ils ont appris ? Okay, Joël. Comment on traverse ? Faut trouver quelque chose. Ah, c'est pour ça que j'arrivais pas à... Bon. Regardez, un générateur. C'est toujours moi qui m'y colle au truc dégueulasse, là, aller sous l'eau et tout. Je regarde s'il n'y a pas de truc, des fois il y a des petits objets. Même sous l'eau, ce jeu est joli, c'est incroyable, putain. Mais les mecs, mais ils ont travaillé, mais d'arrache-pied, je suis sûr, pour ce jeu. Ah, il y a un truc qui bloque, c'est ça. Peut-être pouvoir le faire remonter. Oui, essaie pour voir. Ouais, ça marche. Oula, j'ai fait tomber mes écouteurs, attendez. Voilà. Parce que j'entends la télé à travers mes écouteurs. J'ai pas de casque, enfin mon casque est que sur Xbox. Et même en ce moment, il y a tellement de fils que je trouve très encombrant, du coup je le mets plus. C'est chiant d'avoir acheté un casque aussi cher et de se dire que finalement il valait pas le prix auquel on a investi. Mais bon, ça c'était quand j'étais dans la période gamer et que je faisais du multijoueur. Maintenant c'est plus trop le cas, du coup son utilité se résume à entendre le son du jeu et avec des écouteurs reliés à la télé, ça servait en même, du coup voilà. J'ai pas de micro, mais bon. Bon, ok, on est passé de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'il y a à voir? Il y a un trou ici. Il y a un truc ici. On peut commencer par là. Je sais pas du tout encore. Ah, il veut pas monter à l'échelle? Ah non, c'est avec A. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est avec triangle. Il est où? Il est derrière cette porte? Où il est là? Oh putain, un claqueur. Est-ce que c'est de ça dont tu me prévenais, Isildur? Quand on a trouvé un truc pour passer, pour faire passer les gamins. Bon, j'ai alerté le claqueur quand on était là. Voyons ce qui va se passer. Oh merde. Si tu l'avais pas entendu avant.
Merde. Oh. Ouais. Rien de cassé. Bon, super. On a fait un double shot. Bon, on peut pas continuer à avancer dans ce sens-là. Ça semble logique, hein. Faut y aller avec les gamins. Bon, j'ai bien géré mon truc. J'ai fait deux tirs, un raté. Non, trois tirs, un raté. Et deux headshots. Et j'ai bien géré aussi mon surin. C'était plutôt sympa, cette petite séance d'action. Bon, je pense que Isildur ne m'a pas prévenu de... Je ferai référence à Isildur et pas à Isildur 4. J'espère que tu me comprendras. Ton pseudo... mérite d'être prononcé en entier, mais c'est vrai que je vais me contenter du minimum, désolé. Et ouais, donc ce que je disais, c'était que Isildur me prévenait d'un moment d'action intense, mais à mon avis, ça devait pas faire référence à cela, parce que franchement, c'était tranquille. Oula, va falloir passer dessous et tout, parce que... Où est-ce que je le pose? Vas-y, Ellie. Ouais, je vois. Pas bien. Ouais, on l'a déjà fait, nous. On connaît, on sait comment ça se passe quand il y a une séance de... Attends, je vais te mettre ici, là. Vas-y, allume le générateur, si tu peux. Regarde si ce générateur marche encore. Je le sens pas. Oula. D'accord, ok. Et moi, je fais quoi, moi? Je remonte comment? Ok. Vous attendez pas à ça, hein? Je vais... Oui, je reviens. Je vais quand même aller fouiller la pièce des claqueurs. Je pensais que c'était l'aventure principale, du coup je me suis pas aventuré. Mais il semblerait que c'est pas le cas. Du coup, il semblerait qu'il faut qu'on aille du côté de Henry, Sam et Ellie. Donc on va se démerder à fouiller la pièce, parce qu'à mon avis, quand il y a une pièce où il y a des claqueurs, en général, il y a souvent beaucoup de butin. Ou au moins un minimum de butin. Par contre, on n'y voit pas grand-chose, hein. Ça c'est un peu inquiétant. Mais on n'entend rien, donc à mon avis, les claqueurs, ils sont tous morts. Oui, bon. Et c'était bien une pièce annexe, une pièce butin, vu qu'il n'y a rien d'autre de plus, elle est fermée. Et quoi d'autre? Mais c'est incroyable, je gagne au taquet de pièces là en ce moment. On va pouvoir faire des grosses améliorations la prochaine fois. Enfin, peut-être pas autant que j'en voudrais, mais bon. Pas mal, super, bon. Là, on est bien. Voilà, et on repart du côté d'Henri et Sam. C'est vrai que d'habitude, je pourrais quand même jeter un coup d'œil avant de me faufiler directement là-bas faire la quête principale, mais bon, c'est vrai que j'ai un peu peur de déclencher une cinématique qui m'empêche de revenir sur mes pas, donc je préfère bien voir qu'est-ce qui enclenche la campagne principale et pas le reste. J'avoue, vous m'impressionnez tous les deux. Tu m'étonnes. Bon, il n'y a rien d'autre à récupérer. Ici, c'est pour... ouais, non, de toute façon, c'est bon. Ok, on continue. À nous quatre, on est retrouvés. On est retournés ensemble. J'ai récupéré une caisse d'outils, donc ça va me permettre de faire des améliorations encore plus poussées au niveau de mes armes. À mon avis, on récupère beaucoup de pièces, une caisse d'outils, une table un établi de devrait pas être bien loin, peut-être là derrière cette porte. C'est une sorte d'alarme. Ouais, quelqu'un vivait ici. Mais on dirait que c'est plus le cas aujourd'hui. C'est vrai que à choisir, enfin, il y a encore les quartiers qui s'en sortent pas trop mal avec la direction de l'armée et tout. Où, enfin, c'est quand même assez le bordel. Ah, une nouvelle arme. Un genre de deuxième fusil à pompe, en fait. Hein.
Un nouveau fusil à pompe. Oh oui, vu la taille du réticule, c'est certainement un fusil à pompe. Ouais, donc moi, à choisir, je pense que je serais quand même quelqu'un de nomade. Allez, non. Relax. Un ballon. Manuel de la bombe. Ouais. T'as vu ça? Super. Est-ce que je peux améliorer quelque chose? Rayon du mode écoute, vitesse de soin. Pas la vitesse de soin. Alors là, j'augmente la vitesse de soin. Un nouveau surin. Amélioration de l'arme au corps à corps. Amélioration, enfin, augmentation du côté de Molotov. Et on peut récupérer encore plus d'objets. Non, on pète pas d'un câble, hein. Fais pas brûler tous les gentils. Quoi, c'est par là? Ah, ok. Encore un médoc. Eh, mais on trouve tout hein, dans ces égouts, c'est génial. Un ballon. Ah, il est rangé. Ça, c'est quoi? C'est des explosifs. Bon. Apparemment pas efficace. Enfin, pas utile, je veux dire. On a fait le tour. En poursuite de ce côté-là. Pour l'instant, pas la moindre. C'est quoi tous ces cafards? Silence. Ah ouais, c'était de ça dont il me parlait, Isidure. J'allais dire pas la moindre trace d'ennemis, mais. On y vient. Désinfecté, putain, en plus c'est plus dur quoi. Évidemment, les gentils, les soldats ça va, c'est du bourrinage, mais les infectés, des fois c'est du bourrinage, des fois c'est du truc, donc c'est vraiment. Waouh, le headshot. Super. Encore? Ah mais ça m'a fait utiliser un surin pour rien. Je crois qu'on sait ce qui est arrivé à ces gens. Vu qu'on est tombé sur un claqueur, ils sont partis depuis longtemps. On continue à avancer. On n'a plus qu'à espérer qu'il y en ait pas d'autres. Allez. Nouveau surin, super. Pourquoi il y a que moi qui regarde les annexes, enfin les pièces annexes quoi. Il y a vachement de trucs intéressants là, je suis sûr encore tu vas trouver un établi ou un truc comme ça. Non, rien. J'aurais peut-être dû regarder avant de fouiller. Une note récupérateur de pluie. Ah d'accord, c'est... Ah, il récupère le pluie pour en faire... Bon, ça doit certainement être expliqué dans les notes, mais bon. C'est pas primordial. C'est quoi ça? Mission pour Shorty? Le Shorty, c'est le nouveau flingue que j'ai acquéri. Ah mais il y a... Ah ouais, 6 munitions c'est le max. D'accord, ok. Va falloir augmenter ça, hein. Va falloir augmenter ça. J'aurais pu essayer de l'utiliser, mais bon, je me suis dit, on va essayer d'être swag et on va se le faire à distance avec le revolver. Comment ils appellent d'ailleurs? Le... Ah, ils les appellent pas. Bon. On va regarder ça comme armement. On va mettre la première arme de points... En stand-by pour l'instant. Super. Je récupère un taquet de pièces. Oula. Une nouvelle pièce. Ça c'est quoi? C'est la campagne principale? Je sais pas. On va par là. Encore une pièce annexe. Ah, peut-être pas. Si, les gens ils me suivent pas, donc à mon avis c'est une pièce annexe. Note piégée. Oula, ah oui. T'étais mal en point, mec. T'étais mal fini. Ah, il y avait marqué un truc sur le sol. They didn't suffer. Ils n'ont pas souffert. Pourquoi? Je sais pas, il y a beaucoup de jouets là depuis le début. Peut-être qu'ils étaient en survie avec des enfants. Et du coup, c'est pour ça qu'ils parlent de changer. Oh! Une machette, oui. Donc, ça n'a pas beaucoup de résistance. Mais elle est très efficace dans le sens où chaque coup que vous voyez là, les trois barres. Ça correspond à un one shot en fait. Les machettes elles one shot les ennemis et du coup elles ont pas beaucoup de résistance mais elles font très très mal. Du coup c'est meilleur qu'un bâton qui a plus de résistance mais one shot moins.
Donc ça va être pratique là, à mon avis. Si je récupère toutes ces munitions, toutes ces armes, nouvelles armes, tous ces trucs là, tous ces objets là, à mon avis. Tu crois que ça conduit dehors ? Possible. Mais c'est trop haut pour la grande échelle. Il y a peut-être un autre moyen. Bon, il n'y a toujours rien. Non, pas besoin de... pas moyen de faire de la confection. Par là. Ça va ? Ouais. Ouais, ça va. C'est moi. J'ai dû déclencher une sorte de porte de sécurité. Henri, essayons de la soulever. Bon. C'est plutôt gênant. Ouais. C'est toujours des claqueurs. Quoi ? Et ce sale truc bougera pas. Courez, allez-vous-en. Sam, reste à côté de lui. Henri, il faut qu'on bouge là. Faites bien gaffe à lui. Allez. Wow. On aurait pu penser qu'on aurait été séparés, Ellie. Ouais, je sais. Allez, viens, petit. On va essayer de sortir de là, ok ? Oui, oui, oui. Ok. On aurait pu penser qu'on allait être séparés. Ellie et Joël et Sam et Henri, finalement ils ont changé de binôme. Par contre, j'entends beaucoup de bruit, donc ça va être génial. On va passer un super moment ensemble avec les claqueurs. Et en fait, oui, ici dur, je m'en rappelle bien. Si je cours, vous courez. D'accord. Il parle, il le vous voit. Et je me rappelle de ce moment, il dure, je me rappelle. Je crois que j'ai dû prendre 5 ou 6 tentatives avant de le passer correctement. Donc je me rappelle très très bien. Ça me revient en tête. Je sais pas si tu faisais référence à ça, mais en tout cas... Putain. Pas bon. Mais c'est quoi, c'est des claqueurs ou quoi ? Bon allez, on va y aller à la bourrin. Bon, tant pis. Super. Bon, c'est du bourrin. Oh. En fait, je croyais que c'était des claqueurs, mais en fait, c'était des coureurs. Parce qu'il semblerait qu'ils arrivent à voir. Et ils me one-shot pas, du coup. Oh. Non, mais il y en a combien, quoi? Faut que je me soigne, allez vite. Ils arrivent en masse. On va recharger. J'espère que ça a compté comme les morts, parce que là, franchement, si ça n'a pas compté les ennemis morts, je suis dans la merde. Le fusil, il me sert à rien. Peut-être que l'arc, si je repars en distraction, ça va me servir, mais là... Ils sont tous là à courir. Pour l'instant, je suis pas mort. Hein. C'est pas glorieux comme approche, mais c'est pas défini. Enfin, c'est pas. Oh putain. Mais c'était des coureurs en fait. Ils sont à moitié transformés en claqueurs, donc j'ai pas su deviner si oui ou non c'était des claqueurs.
Allez, vas-y, explose là. Merde, j'ai zoupé. Allez, vas-y. Si je peux esquiver et utiliser des munitions, c'est cool. Bon, en fait, la méthode bourrin marche très bien. Elle marche très très bien. De toute façon, je suis pas un infiltré, hein. vous en êtes rendu compte depuis longtemps. Oula, t'as bien repris tes esprits. Attends, Joël. Allez, vas-y, explose là. Bon, on va repartir. Ça ira. D'accord. Une étape que je suis sûr que j'ai passé la première fois quand j'ai fait le jeu, que j'ai passé 5 vies dessus. Et là, j'ai fait en une seule fois. Alors, faut croire que l'infiltration est très jolie à voir, mais elle est pas si efficace que ça parce qu'elle vous... Enfin, si, elle est efficace dans le sens où vous ne perdrez pas de munitions. Mais en ce qui concerne le nombre de tentatives à refaire, ben, vous en ferez au moins une si vous y allez bourrin. C'est sûr et certain, quasiment. Vous serez jamais surpris quand vous serez bourrin. Vous saurez que vous aurez des ennemis qui viendront à votre route. Vous pourrez vous replier sur vos positions. Ah, c'est intéressant. C'est vachement cool que tu sais que t'aimais dessiner. Putain, t'es comme Ellie, toi, à raconter que de la merde tout le temps. Enfin, je prends la parole de Joël parce que c'est lui qui redit ça. Moi, j'aurais dit, ah, c'est bien, tu dessines quoi et tout. Enfin, bref. Du coup, voilà, tout ça pour vous dire que la méthode bourrin est pas esthétique à voir du tout. J'essaie de faire varier quand même, de voir un peu autre chose quand je peux. Mais elle a le mérite d'être excellente. Alors, l'arme qu'on a ramassé, vous avez remarqué, c'est pas du tout un fusil. Enfin, si, c'est un fusil à pompe, mais c'est un genre de. Plutôt de. 1 sur 1, cool. C'est un genre plutôt de pistolet à pompe. Hein. Donc, une arme à courte portée. Enfin, à pompe. Quand c'est à pompe, de toute façon, c'est forcément à courte portée. Mais encore plus à courte portée. Mais qui sert d'arme de poing, donc c'est pas mal. Voilà pourquoi on peut appeler ça, enfin on peut appeler la diversité dans... Bon, il y a deux endroits où aller. Putain, c'était une... Ah, c'était un bon... Putain, c'était un bon repère. C'était un repère, hein, ça. Il y avait du monde qui vivait là. Ah, mais c'est tous les zombies que j'ai tués, quoi. Ils se sont tous transformés en zombies. Faut se rappeler que les zombies sont... On dirait une salle de classe. Ils n'ont pas pu... Ça, j'aimerais bien le savoir. Ils n'ont pas mérité ça. Faut pas oublier, ouais, que les gens qu'on a tués, c'était des êtres humains avant. C'est pas des créatures qui sont venues et tout. Moi, j'ai tendance à l'oublier, c'est pour ça que je vous le dis. Mais ouais, c'était vraiment des personnes avant, même des cabinets et tout. Et du coup, voilà, on tue des personnes qui ont eu le mérite d'exister avant que tout ça se produise et qui ont malheureusement été transformées. J'ai l'impression qu'il y avait un paquet de gens qui vivaient ici. Ouais, on dirait. Bon, je crois que j'ai fait le tour avec cette arme à ramasser qui était meilleure que celle que j'avais, donc j'en ai profité pour la prendre. Mais on va retourner à l'endroit où on devait aller. J'ai vu qu'on pouvait passer par dessus. Tiens, j'avais pas vu qu'on pouvait récupérer ça. On va le prendre avec nous. Qu'est-ce qu'on peut confectionner? On peut confectionner, voilà, tac. Bon, pour une fois que je fais une bombe, voilà. Tant pis pour le surin. J'en ai récupéré un de toute façon tout à l'heure. Deux, ça devrait aller. Vas-y. Alors, Isildur, je sais pas si tu faisais référence à ce moment-là, cet endroit-là. Je le verrai de toute façon dans l'autre vidéo quand j'enregistrerai en suivant, voilà. De toute façon. Bien joué, petit. Tu parlais d'autre chose. Mais en tout cas, c'était assez intense, donc il est fort possible que tu parlais de ça. Oula. On y va. Sam! Oh bon sang! On doit pas rester là! Là-bas! Bon, pas le temps de récupérer des objets.
Ellie, éloigne-toi de la porte. Allez. Sam. Il arrive. Il y a quoi? Sam, mais qu'est-ce que tu fous? Tu nous sors de là. Bon, bah dépêche-toi. Ok, allez. Bon, c'est bon. Ouh, c'est pas bon ça, des cocktails Molotov gratuits. Ça sent pas bon. Peut-être qu'ils y durent par les, du moment qui va arriver parce que là. Dépêche-toi. Allez Sam, tu vas sortir aussi. Et toi alors? T'inquiète pas. Allez. Ils arrivent. Ils sont tous en train de cramer. Vite. Regardez. Oh, vous rigolez ou quoi? Merci de m'avoir prévenu, les gars. Elle est où, cette tour? C'est proche. Allez, on y va. Ça semble être un bon endroit pour arrêter la vidéo, je pense. du coup, si on était passé par là, mais bon, on vient de l'autre côté. On se voit à l'entrée. C'était chaud, hein. Ah, je suis assez content, j'ai réussi franchement mon petit coup de faire la vidéo sans mourir. C'était du bourrinage pur et dur, hein, mais c'était bien joué quand même, hein, même si je suis en difficulté normale. J'ose pas m'imaginer le jeu en difficulté expert ou réaliste, je sais plus comment ils appellent ça. Il y a un truc vraiment qui a l'air vraiment hardcore. Faudrait que j'essaie quand même un jour juste pour que je rigole bien, mais l'approche doit être complètement différente, je pense. Je crois que la réaliste, il y a pas de retour... Enfin, tu meurs en fait. Du coup, vous imaginez le jeu, vous perdez. Mais c'est atroce, quoi. Oh. Enfin, je veux dire, c'est atroce. C'est déjà que si vous vous mettez en expert et que vous avez beaucoup moins de vie, vous devez tout faire en infiltration. En fait, vous devez pas prendre une seule balle. Ça devrait être quelque chose de bien. Enfin voilà. Donc on va s'arrêter là. On va pas s'avancer plus. C'est un bon endroit pour finir la vidéo. On a fini carrément une étape, là, l'étape des égouts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était très intense, c'était très sympa. Moi, j'ai bien aimé la faire. J'espère que vous avez aussi aimé la visionner. N'hésitez pas à laisser un like si c'est le cas, à disliker si c'est pas le cas. Ne vous privez pas, surtout. À vous abonner à ma chaîne pour continuer à suivre les aventures de Joël. À laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce qu'il faut que j'améliore, comme d'habitude. De toute façon, vous connaissez mon petit baratin habituel. Aussi, je voulais vous dire, j'ai téléchargé Assassin's Creed 4, donc il y a maintenant à ma possession. Donc je vous ai dit, il y a certaines personnes qui voulaient que je fasse des Assassin's Creed en let's play, mais voilà, pour vous dire que j'ai Assassin's Creed 4, il était gratuit sur le Xbox Live pour les abonnés Gold, donc tant mieux pour moi, hein. Et donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous le fasse en prochain let's play. Je sais que j'ai Dragon Age à faire comme série, mais je l'ai pas encore en ma position, alors que Assassin's Creed, je les ai en ma position. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir de ça. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me tenir au courant. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Gros mouchou. Ciao tout le monde. Bye à l'épisode 16. Ciao.